miss me? I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing in the hey. Avant la Coupe de France, c'était des maillots pitch. Et bien maintenant, le plus beau symbole de la Coupe de France à Marseille, c'est Lucas Ocampos, ce joueur besogneux avec une grinta qui est bien utile dans ces matchs face à des équipes de division inférieure. Ça s'est vérifié une nouvelle fois face à Bourg-en-Bresse avec un triplé pour l'Argentin, tout en abnégation et en sueur. Le grand bonhomme de la soirée, il a marqué 3 buts lui aussi, mais il aurait pu en marquer 5, sauf que il a donné un premier but, un caviar, à Lucas Ocampos, et puis à la fin, il y avait un pénalty, c'était le tireur désigné, mais il a préféré laisser Clinton Ndiaye marquer lui aussi un but. Grand seigneur, Kostas Mitroglou. Si c'est pour faire des matchs de ce niveau, il peut aller chez Neymar tous les soirs, il n'y a pas de souci, ils font une soirée pyjama, parce que si 24 heures plus tard, Luis Gustavo assure autant sur le terrain avec un premier but exemplaire, c'est ce qu'on attend d'un leader d'équipe, et ben il n'y a pas de souci. On en réclamait des coups francs de Dimitri Payet comme ceux qu'on voyait à West Ham. Et ben voilà, c'est le cas en Coupe de France. Alors, ça a beau être que Bourg-en-Bresse en face, ça aurait pu être le Real Madrid, ça aurait peut-être été la même chose parce que c'était vraiment juste au-dessus du mur. Ça retombe tellement vite que le gardien, ben, préfère ne pas plonger, c'est logique.